dans le cadre de notre chronique Méditerranée. Méditerranée avec un S. Comme la semaine précédente, nous allons démarrer par un billet de l'amiral Coustillière qui nous parlera de géopolitique en Méditerranée. Puis l'architecte Christophe Jattaru-Comte évoquera dans ce deuxième volet la construction d'une île au large de Toulon. Et enfin, nous terminerons avec Marcel Barbureau dans sa chronique écologique. Amiral, bonjour, merci de nous recevoir à nouveau. La semaine dernière, on a vu avec vous l'approche globale de la géopolitique, de la géostratégie. C'est difficile à définir, mais on a l'impression que ça se situe aujourd'hui et maintenant. Mais il n'y a pas de racine de cette géopolitique en Méditerranée ? Bien sûr qu'il y a une racine. La géopolitique est un rapport qui existe de tout temps, comme on peut le traduire par les rapports existants entre des États, des nations qui poursuivent des buts et qui mettent en œuvre d'ailleurs une géostratégie à ce moment-là, pour une stratégie qui se confond en géostratégie quand c'est appliqué à l'ensemble de la région. Il est évident que cette géopolitique a toujours existé. On peut remonter à l'Antiquité. Les Phéniciens ont conduit une stratégie en Méditerranée pour développer leur commerce et leur industrie. Après, les Romains ont conduit une stratégie pour dominer le monde méditerranéen. On va basculer rapidement jusqu'à l'époque coloniale européenne. Les Européens ont conduit une stratégie qui répondait à un rapport de géopolitique dans cet espace où les Européens se trouvaient en position de force par rapport aux autres et qu'ils faisaient valoir ces rapports de force à travers une stratégie qui les conduisait à occuper les espaces qui étaient profitables à leur économie et à leur projet politique. Donc on voit bien que cette géopolitique a été de tout temps, elle a donné lieu à des stratégies de tout temps, et ces stratégies ont évolué avec le temps. Pourquoi ? Parce que d'abord le rapport de force entre les nations peut évoluer. L'époque coloniale, manifestement, a connu la suprématie de l'ensemble des nations européennes. L'époque romaine, celle de Rome. Et puis après l'époque coloniale, c'est les États-Unis qui ont supplanté les Européens. Donc d'abord un rapport de force qui varie dans le temps. Ensuite, un problème d'intérêt pour la région. L'intérêt pour la région était différent à l'époque de la lutte et de la concurrence entre la France et la Grande-Bretagne sur l'espace méditerranéen, qui avait des intérêts plus réduits, plus ramassés, alors que les Américains y voyaient à la fois une zone d'accès aux champs pétroliers plus rapides, c'est la voie la plus rapide pour atteindre les champs pétroliers du golfe arabo-persique, et puis pour sécuriser une voie d'accès au Pacifique, à l'océan Indien, puis au Pacifique, mais aussi à Israël. Le pétrole a été un nouvel enjeu de cette géopolitique et donc des stratégies mises en œuvre. Aujourd'hui, bien évidemment, on constate que la géopolitique est obligée de prendre en compte les problèmes de migration, et à ce titre, l'Europe a des priorités et des objectifs différents de d'autres acteurs, tels que les Américains, et probablement d'acteurs nouveaux qui vont apparaître, qui ont déjà apparu et qui commencent à développer leur action, et qui vont faire valoir des intérêts particuliers, différents des riverains. Je pense notamment au retour de la Russie, qui elle va développer des intérêts qu'il est vrai qu'on connaît en grande partie déjà, mais la Chine. Quel est l'intérêt de la Chine pour la Méditerranée ? Quelle va être son action ? Quelles vont être ses ambitions ? Quel mode d'action ? Par exemple, on s'aperçoit que la Chine développe une présence maritime militaire en Méditerranée qu'on ne connaissait pas, et elle développe ça depuis moins de 10 ans, accompagnée d'ailleurs, il faut le noter, de la présence militaire russe. Voilà, donc géopolitique, oui, des racines profondes, des situations qui changent en rapport de force et en objectif et en ambition, donc des géopolitiques qui vivent avec leur temps. Amiral, merci. À la semaine prochaine. Alors nous voilà maintenant avec M. Christophe Jattaru-Comte, l'architecte qui veut construire une île au large de la Méditerranée, au large de Toulon, et une île écologique. Expliquez-nous un peu. La première chose, je crois, qu'il faut resituer, c'est ce site. On est dans un contexte d'abord militaire,
c'est un port militaire. On est dans un contexte industriel, hein, puisque les chantiers navals de la Méditerranée étaient sur ce site-là. Et aujourd'hui, on est dans un site commercial, puisqu'on a un développement à la fois de l'industrie liée au tourisme à travers la relation qu'on a avec la Corse, mais également les croisières qui s'y développent. Donc on est dans un site qui n'est pas, au sens environnemental, un site remarquable, comme peut l'être Port-Cros, de la même façon, dans le parc national marin. Donc on est sur un site où un plan de biocénèse marine a été réalisé et sur lequel on s'aperçoit que les fonds marins sont des fonds marins où les posidonies actuellement sont mortes. On a des mattes qui sont mortes sur l'ensemble de ce périmètre. Aussi, pour le choix de ce site, on a voulu avoir un site qui soit particulièrement pratique et pour pouvoir mettre en œuvre des technologies environnementales autour de la mer, à savoir une géothermie marine, puisqu'on a une fosse qui descend à plus de 400 mètres, très proche, donc pouvoir récupérer à travers l'eau des grandes profondeurs des sources calorifiques en frigorifique. Ensuite, on peut utiliser, puisqu'on a aussi une certaine houle, des systèmes de récupération d'énergie de houle en bordure de l'île. On pourra également mettre en œuvre des éoliennes, mais des éoliennes à turbine dans ce que j'appelle les grandes voiles, c'est-à-dire l'hôtel, enfin les hôtels qui composent le site. Et enfin, évidemment, des panneaux solaires qui viendront compléter tout ça. Dernière chose, le souhait également, c'est de mettre une usine de méthanisation qui permettra, là aussi, de compléter l'offre sur les énergies. Concernant les rejets, on souhaite avoir, puisqu'on est dans une île, donc quelque chose qui peut être totalement autonome, la possibilité de créer une usine de traitement des eaux qui permettent d'être autonome en termes de rejet. Enfin, on aura une usine de désalination des eaux de mer qui permettra d'utiliser, en tout cas partiellement, les eaux traitées à ce niveau-là. Autre point, c'est mettre en œuvre une économie circulaire au travers de la gestion des flux entrant et sortant, avec sur les déchets, donc une partie qui ira en méthanisation, l'autre partie, puisqu'on aura de nombreux déchets, notamment alimentaires, qui ira en compostage pour produire de l'engrais qui sera utilisé pour produire les primeurs de l'île. Donc, essayer de trouver une boucle vertueuse de proximité et de la même façon, dans ce cadre-là, mais il y a d'autres aspects peut-être à développer, mais on souhaitera avoir des achats dits responsables au sein de l'île, notamment avec l'exclusion de toutes les matières plastiques, afin de pouvoir, contrôler les matières rentrantes. Notamment parce qu'aujourd'hui, les matières plastiques sont un véritable fléau marin. Donc une île écolo-touristique. Une île écolo-touristique, un tourisme éco-responsable, une construction éco-responsable de cette île, à travers différentes techniques évidemment, mais sur l'empreinte également, sur les fonds, donc plutôt avec des systèmes construits avec des pilotis, où on pourra admirer les fonds marins qui seront reconstitués dans le cadre de l'opération. Christophe, je te recompte. Merci. Merci à vous. Comme la semaine dernière, pour terminer, nous retrouvons Marcel Barbero qui va évoquer pour nous son périple à la fois personnel et écologique en Méditerranée.
Alors évidemment, lorsqu'on parle de Méditerranée, on voit le bassin méditerranéen, mais j'ai fait une étude en relation avec évidemment des collègues chercheurs de l'ensemble des écosystèmes méditerranéens du monde, puisque par exemple la Californie est méditerranéenne, le Chili est méditerranéen, l'Australie est méditerranéenne, l'Afrique du Sud également. Alors attendez, là on a du mal à comprendre, expliquez-nous. Eh bien parce que c'est en fait le climat méditerranéen que l'on va retrouver dans tous ces pays et qui va être le guide majeur de l'organisation des écosystèmes. Il y a dans tous ces pays des périodes de sécheresse qui vont, qui vont caler le cycle biologique des espèces et donc avoir des conditions de fonctionnement de leur milieu, de leurs habitats, identiques à celles que l'on a chez nous. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, dans les écosystèmes méditerranéens, certains sont étonnés de voir, par exemple, le Sahara. Certes, le Sahara a des espèces particulières, mais beaucoup de plantes du Sahara sont des plantes de souche méditerranéenne. Et au Sahara, on a une très haute montagne, notamment sur le Hoggar, où l'on trouve des espèces de souches méditerranéennes qui ont d'ailleurs essaimé, des bruyères notamment, qui ont essaimé jusque dans nos régions au cours des différentes phases historiques. Alors donc, j'ai étudié notamment toutes les forêts de ces milieux très arides de la région saharienne, où le désert n'est pas forcément un ensemble totalement abiotique, c'est-à-dire sans espèces. Le désert a une faune adaptée, une flore adaptée, avec beaucoup de plantes méditerranéennes. Et là, j'ai eu des périples admirables avec Théodore Monod, avec Frison Roche, où l'on a pu effectivement, en parallèle, étudier les relations existantes entre le peuplement humain et les espèces. Ces ensembles sont également très particuliers par des phénomènes d'irrégularité et climatique très contrastés dans ces zones sahariennes, et on peut utiliser le modèle nord-saharien pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les changements climatiques. Par exemple, le Sahara, en 30 ans, a progressé d'une dizaine de kilomètres vers le nord. Et les espèces méditerranéennes qui initialement étaient présentes sur cette frange de 10 kilomètres ont été remplacées par des espèces sahariennes. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, aux interfaces des climats, on assiste à des transformations profondes, non seulement des écosystèmes, mais également des ressources qui sont calées sur ces écosystèmes et qui sont utilisées par l'homme. Est-ce à dire qu'on va vers une désertification de nos propres côtes ? Alors, j'ai parlé, moi, de désertisation, parce que la désertisation, c'est le remplacement d'espèces méditerranéennes dans ces franges, dans péri-saharienne vers le nord, c'est le remplacement d'espèces méditerranéennes par des espèces sahariennes, au même titre que dans nos régions. On observe dans nos montagnes, dans nos hautes montagnes de la région PACA, des transformations prodigieuses dans la limite des espèces. Marcel Barbero, merci. À la semaine prochaine. Et maintenant, pour terminer, un petit clin d'œil avec une chanson dont vous allez essayer de reconnaître l'interprète. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. Eh oui, c'est Eddie Mitchell, en 62, pendant sa traversée du désert. Et puisque le désert est si proche de la Méditerranée, il a bien le droit de chanter la mer. Allez, à bientôt.